Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo, nouveau haul solde. J'ai fait un carnage cette année au niveau des soldes. J'ai acheté beaucoup de choses, que ce soit pour le boulot, pour la maison. Il y a pas mal de belles promotions en tout cas pour le boulot, donc j'en ai profité pour m'acheter plein de pantalons, de costumes, plein de choses, etc. Je suis passée du coup à Ikea, Galerie Lafayette, Zara, H&M Home, Cultura, Geox et Primark. Je vous ai déjà montré ces achats sur TikTok, je vous ai fait deux parties. Une première partie avec Zara et H&M, une deuxième partie avec tout le reste. Donc je sais pas si ça vous intéresse à voir en avant-première un petit peu ce que j'achète, etc. Ce que je fais dans la maison, tout ce que je peux faire. Je vous montre en avant-première sur TikTok parce que le montage est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus simple de poster là-bas. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, c'est Elisa BRTOF. Petit conseil pour les achats en magasin ou en ligne, n'hésitez pas à activer votre cashback, que ce soit avec Poulpeo ou eBuy Club. C'est pas une sponsor, mais c'est moi je le fais en tout cas. Je l'ai fait pour Primark et pour H&M. On fait des bons d'achat en magasin. En plus, t'as juste à payer avec ton bon d'achat et c'est fait, t'as du cashback. Moi je le fais tout le temps maintenant, même pour la Carrefour quand je fais mes courses. J'ai aussi eBuy Club qui le fait. J'ai toujours des liens qui traînent par-ci par-là. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations parce que c'est vraiment pratique. Moi je fais tout le temps des économies là-dessus, donc n'hésitez pas si ça vous tente. Je pense que je vais commencer par Primark. J'ai acheté des belles choses, notamment ce manteau. Donc c'est une matière un peu linge, j'ai trouvé vraiment très joli. Il est assez fluide et franchement pour les étés un petit peu fraîches, bah du coup je pourrais mettre ça et c'est vraiment trop beau. Enfin j'en avais pas de comme ça. Les boutons sont vraiment sympathiques, donc je suis ravie. Je suis tombée sur ça, j'étais vraiment fan. Ensuite à Primark, je me suis acheté du maquillage. C'est vrai que j'aime beaucoup leur anti-cerne, donc j'en ai racheté en fait. J'ai racheté en deux couleurs, donc vanilla et cool beige. Ça coûte que 3€ et franchement c'est très bien, ça fait vraiment le taf. Et j'ai pris du mascara. Je n'ai jamais testé le mascara chez eux. Comme le mien est en train de se finir, bah, je me suis dit pourquoi pas tester. Voilà. Ensuite après Primark, je me suis pris un truc pour les yeux. Ceux lambda là, ils sont tout le temps trop petits ou trop grands pour mon crâne. Enfin c'est hyper chiant pour s'ajuster. Et là en fait tu peux l'ajuster toi-même. Donc c'est très bien. En plus c'est assez molletonné, ça abîme pas les cils. Enfin moi à chaque fois j'en mets. Le matin je vois tout flou pendant je ne sais combien d'heures. Au bout d'un moment ça devient gonflant, ça abîme les cils. J'en ai un en soi mais il est beaucoup trop court en fait, ça va pas. Donc celui-ci a l'air beaucoup mieux, au moins t'as pas le... Ensuite je me suis pris des chaussettes, elles étaient trop choupinou. Ça m'a coûté 4€, il y en a 7 à l'intérieur. Donc voilà, c'est des fruits, des pastèques et tout. Non mais regardez-moi ça, des kiwis. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les couleurs. Je suis ravie, j'ai vu ça, j'ai dit mais toi tu vas directement dans mon panier. Et enfin, il y a ma pote Cindy qui m'a dit d'acheter ça parce que c'est génial. Du coup c'est un truc pour faire les boucles sans chaleur. Ensuite à H&M, je me suis acheté des robes parce qu'il m'en fallait pour aller au travail. Enfin j'ai que des robes d'été, de vacances, etc. Mais pas de robes pour aller bosser. Enfin voilà, donc il me fallait des robes un peu street qui vont jusqu'aux genoux. Enfin voilà, un truc très carré. Donc je me suis trouvé pas mal de robes en lin. Et moi j'adore le lin, je trouve que c'est super beau, c'est super élégant, c'est très agréable pour l'été. Donc j'ai trouvé 3 robes en lin blanches, donc très ravie. La première c'est celle-ci, elle est en taille M, j'avais pas trouvé la taille S, il n'y en avait pas. Un petit truc pour resserrer la taille, mais dans une autre robe il y a une ceinture que j'aime beaucoup, donc je pense que cette ceinture je la mettrai sur toutes les robes blanches que j'ai, parce qu'elles sont vraiment très belles, je vous le montrerai après. Ça m'a coûté 15€, le de 38€, c'est quand même une énorme remise. Ensuite du coup la robe avec la fameuse ceinture que j'aime beaucoup, c'est celle-là. Donc celle-ci aussi toujours en lin, très jolie. La ceinture est vraiment trop belle, enfin j'aime beaucoup l'effet corde comme ça. Ça là, en bois, je trouve ça trop beau, ça fait très bohème, c'est très joli. Donc je vais pouvoir mettre ça avec toutes mes robes blanches. Ensuite une autre robe, bon celle-là je sais pas si je pourrais la mettre au travail parce que c'est un dos nu, donc je sais pas trop, je pense pas. Très belle même pour les soirs d'été un peu frais et tout, ça va être super bien, donc avec des manches longues. Le devant très basique et le derrière avec un super dos nu, franchement c'est magnifique. Il n'y a pas de petite ceinture qui va avec, c'est fort dommage parce que ça aurait été super beau parce que le froncé comme ça j'aime pas beaucoup. Donc une petite ceinture encore une fois comme je vous ai montré juste avant avec celle-là. Et ça m'a coûté 15€ le de 25€. Ensuite ça c'est parti comme du petit pain. Je pensais pas mais je suis retournée dans le magasin, il n'y en avait plus. Ça m'a coûté 13€ le 18, j'ai pris en taille S. Et c'est vraiment une blouse en lin basique. Voilà. Il y avait en noir, en blanc et en vert, moi je l'ai pris en ocre. Ensuite on va passer à Zara. Zara c'est pas une enseigne que j'apprécie de base. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Fort, mais par contre au niveau des pantalons de costume, franchement c'est les meilleurs. Je trouve que ça tient dans le temps. Toujours essayer vos pantalons là-bas parce que moi j'en ai essayé une vingtaine, j'en ai pris que 3 à la fin. Bon, c'est quand même bien, mais vingtaine hein, quand même. Hein. Le ratio n'est pas très bon, donc n'hésitez pas à essayer. J'avais déjà acheté des pantalons de costume à Bershka et à Pull&Bear que j'ai beaucoup mis en fait pendant tous ces mois, sauf que bah, je vois que ça ne tient pas. Genre, c'est pas la même qualité que Zara, vraiment ça n'a rien à voir. Alors, premièrement, je me suis pris ce pantalon de costume. Vraiment, la qualité, vraiment incroyable. La qualité, la matière, le motif est vraiment très bien. C'est un pantalon que, enfin un ensemble que j'avais vu à Zara il y a longtemps, mais qui était
hors solde. Et du coup, je me suis dit, hors de question que je paye ce prix-là. J'ai attendu les soldes et il était soldé. J'étais très contente. Donc, je l'ai pris en taille S. Ça m'a coûté 26€ au lieu de 40€. Ce que j'aime beaucoup, c'est que bah, il tombe vraiment bien sur les chevilles. C'est pas un pantalon qui est court. Donc ça, j'aime beaucoup. Pour l'hiver, c'est vraiment parfait pour moi. Ce qui est bien, c'est que les poils n'accrochent pas. Ça, c'est vraiment un luxe. Hein, parce que d'avoir des matières où tous les poils s'accrochent dessus et t'arrives au boulot avec une touffe de poils sur toi, non merci. Hein. Mais j'ai dû quand même en prendre des basiques, des noirs, puisqu'il fallait des noirs. Et les noirs, malheureusement, ça accroche les poils. Donc il va falloir que je vérifie à chaque fois que je pars de chez moi qu'il n'y ait pas de poils. Du coup, j'ai racheté les pantalons. Donc, eux, sont pas soldés. Mais par contre, je vous les conseille si vous en cherchez. C'est des pantalons de costume qui sont, je pense que vous verrez un peu mieux sur l'image, qui sont vraiment bien pour ceux qui ont des hanches assez développées mais une taille très fine comme moi. Donc moi ça baille toujours au niveau de la taille, c'est toujours été un problème, mais avec ces pantalons là pas du tout. Donc c'est vraiment très bien, ils coûtent 30€, je l'ai pris en taille M. Ils sont vraiment top top top. J'ai un beige et un gris qui vraiment ils tiennent très très bien. Pourtant je les ai saignés hein. Vraiment j'ai mis que ça tout cet hiver. Ils tiennent très bien donc je me suis dit que j'allais les prendre en noir et aussi en bleu marine. Voilà, c'est des couleurs que je n'avais pas de base. On a des poils qui s'accrochent, ça c'est vraiment chiant. Donc, il va falloir vraiment que je vérifie à chaque fois quand je pars du poil de prince, enfin au bout d'un moment, enfin pas un poil, une touffe de prince. Donc c'est un peu chiant ce genre de matière, c'est pour ça que j'ai évité d'en acheter. En noir aussi, j'ai pris celui-ci qui est vraiment très joli. J'ai beaucoup aimé en fait la finition de la languette pour fermer le pantalon, c'est très propre. Donc très beau, il est un peu court, donc c'est bien pour l'été et pour l'automne. En hiver je mettrai pas celui-là du coup, mais ça m'a coûté 26€ au lieu de 40€, j'ai pris en taille S. Il est vraiment très très bien, il est très confortable, désolé j'ai un peu trop de luminosité, il est très confortable, il est très bien, donc je peux vous le conseiller. Ensuite j'ai pris un beige, encore une fois la qualité incroyable, c'est un peu le même que le bleu au niveau de la matière. C'est celui-ci, il est... enfin c'est vraiment un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé la couleur de ce pantalon, la matière, la coupe. Tout était bien, par contre c'est un taille XS que j'ai pris, donc vraiment faites attention si vous voulez commander sur internet. Ça m'a coûté 30€ au lieu de 46€, je l'ai essayé en taille M, c'est vraiment aberrant à quel point c'était large. S, on n'en parle même pas, donc j'ai pris en XS. Donc si vous voulez un pantalon de costume, vous pouvez voir que j'ai pris du XS au M, alors que ma taille normale c'est du M. Niveau taille c'est un peu galère de trouver ça, essayez toujours les pantalons là-bas, enfin tout essayez à chaque fois, hein, mais cette matière-là j'aime beaucoup, cette coupe elle est très bien. Elle est un peu courte aussi, donc c'est bien pour l'été et tout. Enfin, vraiment, je suis ravie. Ensuite, je suis allée à Galeries Lafayette, mais bien avant tout ça, pendant les ventes privées, pour m'acheter aussi un pantalon de costume. J'avais des bons d'achat que mes amis m'ont offert à mon anniversaire. Du coup, bah, j'en ai profité pour acheter des chaussures et aussi un pantalon de costume. Donc, il était à 80€, j'ai eu à moins 40%. Vraiment, la matière, elle est incroyable. J'aime beaucoup, c'est hyper confort, c'est vraiment souple. T'as pas besoin de repasser, ça va... Oh, j'adore ça. Et du coup, il était vraiment trop long. Donc j'ai demandé à faire des retouches, ils m'ont fait les retouches et c'est pour ça que je l'ai eu que hier parce que ça a mis 2 semaines pour faire les retouches. Je suis très contente, il tombe vraiment très bien, très confortable et pour un Galeries Lafayette franchement je suis ravie. Je vous montrerai en insertion les Véja que j'ai pris parce qu'elles sont à l'entrée donc un peu la flemme de me déplacer mais du coup j'ai pris des Véja, c'est la première fois que j'achète ça, ce genre de chaussures. C'est mes amis qui me l'ont conseillé donc c'est des chaussures vraiment très basique, elles font un peu un effet bowling, mais franchement ça me dérange pas trop, ça va parfaitement bien avec les pantalons de costume, ça c'est vraiment très joli, ça fait pas trop strict, ça fait casual, vous voyez, donc je suis très contente, c'est mes amis du coup qui m'ont offert, tout ça, donc vraiment je suis ravie. Ensuite en parlant de chaussures, je suis passée à Geox, vraiment par pure curiosité, je voulais pas forcément repartir avec quelque chose, mais je suis tombée sur cette paire là qui est vraiment assez basique, assez standard, et faut savoir qu'à Geox c'est vraiment le paradis pour les personnes qui ont le pied fin, donc j'ai pris celle-ci, c'est vraiment très standard, très basique, que je pourrais mettre pour aller au travail cet été, donc avec du rotin, même pour partir en vacances etc, enfin voilà vous avez compris, mais au moins ça peut être utile aussi pour le travail, donc je vais pas être bridée, ça c'est cool, et donc c'est des chaussures qui respirent, donc tu ne transpires absolument pas des pieds, c'est ouf, hein. Vraiment je vous jure que c'est très très bien, donc elles m'ont coûté je crois 80€, et de base elles étaient à 120€, donc voilà, je les ai beaucoup aimées, il y avait beaucoup de modèles aussi, et franchement je pensais pas repartir avec quelque chose, mais elles m'ont convaincue, franchement j'étais très très bien. Ensuite Ikea, j'ai fait une petite razzia de Calanco, et je trouve ça
tellement choupi. Donc j'ai pris une carancoé de chaque couleur. Ça m'a coûté 1,49€ et c'est super bien pour mettre sur le balcon. Je vais vous montrer ça sur YouTube bientôt dans un petit vlog déco, etc. Comme on aime, enfin moi j'adore faire des petits vlogs déco, je trouve ça trop bien. Du coup, je vais vous faire ça, un petit vlog déco. Je vais un petit peu rechanger le salon, vous montrer enfin toutes les petites nouveautés que j'ai achetées à Ikea. On va les installer. Donc j'ai pris des petites carancoé. J'ai pris aussi un lierre. Alors je pensais qu'il rentrerait dans le cache-pot, mais alors pas du tout. Donc bon, on va essayer de le rempoter en espérant qu'il tienne ce con. Mais sinon, je pense que je prendrai une fausse plante. Hein, parce que les lierres, j'adore ça, je trouve ça très beau. Mais moi, ça ne tient pas. Pourtant, c'est censé être la plante qui tient le plus, qui résiste bien. Mais pas forcément. Et enfin, à Ikea, je me suis pris une étagère. Donc c'est une étagère qui s'appelle Apothicaire, je crois que c'est ça. C'est une étagère noire en métal. Et j'ai trop hâte de pouvoir la monter avec vous et l'installer. Parce que ça va être trop joli dans l'appartement, je pense. Parce que là, j'ai des étagères, mais en fait, je me lasse beaucoup de ces étagères. Là, ça fait 15 ans que je les ai. Au bout d'un moment, je peux plus les voir, donc voilà, j'avais envie de changement. Pour en faire ça dans le prochain vlog décoration, je pense la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à rester connecté si ça vous intéresse. Et enfin à Cultura, ça y est, on est quasiment à la fin de ce haul qui est vraiment assez énorme. Je suis passée à Cultura juste pour voir un petit peu les jeux de société, parce que je voulais m'en acheter un de jeux de société, je voulais voir s'il y avait des promotions qui allaient avec, et finalement oui. Donc je voulais acheter ce jeu de société là qui s'appelle TTMC et pas TMTC. À chaque fois je dis TMTC, les gens me disent mais de quoi tu me parles. Donc c'est Tu te mets combien la deuxième version. Moi j'ai testé la première version avec mes collègues de taf et franchement c'était génial, enfin moi je me suis beaucoup amusée. Il y a des jeux qui ressemblent un petit peu à ça comme les Trivial Pursuit, sauf que je trouve que c'est beaucoup trop dur. Moi j'y arrive pas, j'aime pas ce jeu, il m'énerve, et du coup ça c'est beaucoup mieux parce que c'est un peu comme un Trivial Pursuit, sauf que t'as des questions, enfin t'as des thèmes, et après tu te notes de 1 à 10. Est-ce que par exemple, je sais pas, sur les films Disney, pour toi est-ce que t'es vraiment bon? Donc si t'es bon, tu te mets genre un 8 ou 9, et en fonction de ton chiffre, ça te met une question, donc qui est plus facile ou plus difficile. Donc c'est vraiment très bien, et au moins tu peux jouer, tu peux vraiment avancer, etc. Moi le Trivial Pursuit, je n'arrive pas, c'est trop nul. Donc voilà, je vais pouvoir tester ça, on peut jouer à deux aussi, donc si ça vous intéresse pour jouer entre couples, c'est plutôt pas mal, je vous conseille vivement. Moi j'ai adoré, et je l'ai acheté, du coup ça m'a coûté 40€. Et en fait, il y avait 2+1 offert, donc j'ai pris deux autres jeux. J'ai pris le Top 10, alors ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était un peu nul. Mais moi j'aime bien, il y a des licornes, il y a des choses comme ça, je me dis bah pourquoi pas. C'est en fait une question, un thème, en fait faut essayer de mettre les réponses de 1 à 10. Alors quel objet fallait-il avoir du naufrage du Titanic, du moins utile au plus utile, après tu mets tes cartes, voilà. C'est un petit jeu à la con et je me suis dit bah pourquoi pas, c'était quand même 21€, donc bah je l'ai pris. Et ensuite il m'en a fallu un gratos, donc j'essaie de prendre au même prix pour que ce soit un peu rentable quand même cette histoire. Et il y avait un Trivial poursuite, mais version apéro, donc je sais que mon copain adore ça, donc bah j'ai pris ça parce que voilà, il aime beaucoup et il n'y en a plus ici, avant il jouait tout le temps chez lui. Du coup là il n'y en a pas, et en fait c'est bien parce que c'est sous format comme ça là, on peut l'emmener un peu partout. Donc voilà en tout cas pour les jeux de société, et j'ai aussi trouvé des belles choses. Bon déjà on va pas épiloguer là dessus, j'ai repris les trésors de Picsou. Et j'ai pris aussi des nouveaux stylos de la gamme Le Gami, donc ça je sais pas si vous savez, mais je suis une très grande collectionneuse de ce genre de stylos. Donc je les ai tous, et là en fait j'ai vu des nouveaux modèles. Donc il y a l'ourson qui tient son miel, il y avait le pingouin, incroyable, il y avait le panda qui tenait son bambou, et là il y avait un hippopotame je crois avec plein de petites fleurs, je crois que celui-là je l'ai déjà, mais bon je l'ai repris parce que voilà, c'était 2€ le stylo. Et ils ont fait une édition limitée spéciale Summer, spéciale Undersea, une tortue, il y a un Nemo et un hippocampe. Oh, franchement j'ai adoré, c'est trop trop beau, c'était 6€ je crois. Il y a turquoise, black et violet. Donc trop bien, et c'est des stylos, en fait si vous savez pas, ils sont effaçables, ils sont vraiment bien, pratiquement, je l'utilisais beaucoup en parcelle de droit parce que je pouvais tout effacer et recommencer, enfin voilà, c'est très facile au lieu de jeter des feuilles ou mettre du Tipex, voilà, bah tu peux écrire avec ça. Bon moi j'écris plus, je fais plus une collection de ce genre de stylos, et ils vendent aussi des recharges, donc pas la peine de racheter le même stylo, vous pouvez acheter directement les recharges. Je pense que j'en ai fini avec tous les achats de cette année. J'ai fait vraiment une grosse radio au niveau des soldes. C'était vraiment l'occasion. Je pense avoir besoin de rien d'autre, notamment pour le travail. Je pense que c'est bon. Je pense que ça y est, on a enfin pu investir dans le travail. Parce que bah, maintenant, je suis plus étudiante, hein, malheureusement. Je suis à temps plein au travail. Donc bref, j'espère sincèrement que ce haul solde vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Donc Instagram et TikTok, c'est ElisaBRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'un bisou et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.